Coucou tout le monde. Comme vous le savez, il y a pas mal de temps déjà, j'ai fait une petite commande sur le site d'Ezenio. C'est déjà pas mal de temps que j'ai reçu les trucs, mais j'ai toujours eu la flemme d'afficher clairement les cadres au mur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à la fin de cette vidéo un petit aperçu du rendu final et de l'appartement. Mais on va essayer de mettre en place ça parce que je pense que ce que j'avais prévu au départ, ça ne va pas du tout aller et il y en aura un peu trop pour l'espace qu'il y a sur le mur. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de notre chère et tendre. Coucou. Que vous n'avez pas vu depuis pas mal de temps maintenant. C'est ça. Mais qui revient en forme aujourd'hui et qui va m'aider parce que clairement mettre des cadres tout seul, je n'ai pas de... Comment c'est ça? De quoi? Pour voir si c'est plat. De niveau. Voilà. Je n'ai pas de niveau donc j'ai besoin d'elle pour m'aider aussi. Et on va faire ça ensemble. Pour l'instant on a juste mis le petit cadre rose. C'est bien déjà. Vous pouvez remarquer quand même qu'on est plutôt pas mal. J'ai pas mal de choses donc on va essayer de faire une belle petite formation de cadre sur ce mur. Ouais, je pense que ça va être pas mal. C'est parti. Let's go. Bon, on a pas mal de choix. Donc là, il y a mon lit que j'ai laissé pouvoir accéder plus haut, c'est plus pratique. Il vous faut un marteau et les vis. Pas trop près parce que ça, c'est le focus qui fait chier. Ah non. Et où mon téléphone? Putain, mais ma vie, c'est de perdre mes affaires. Je suis un peu rouge, c'est un peu dérangeant. Je suis presque belle. Ça m'arrive de temps en temps. Faut savoir qu'à la base, j'étais passée sur un petit exemple que j'ai sur mon téléphone, mais je pense que ça va pas du tout rendre pareil. Donc on va essayer d'improviser le truc. Pourquoi pas commencer de ce côté-là? Ouais, mais faut que ce soit bien milieu. Pas remonter plutôt? Il y aura celui-là dessus. Ah, c'est bien là. 72 divisé par 2. 70 divisé par 2, 30. 31. 70 divisé par 2, 30. 35, 36. Bon là, on est parti sur une base de 4 cm entre les deux tableaux. On met deux clous ou un clou? On va déjà partir sur un. Ok. C'est une galère. Après là, le milieu du tableau. T'es prête? Pas du tout. J'ai ultra chaud avec ce truc, je vais pas regarder. Wouh. Tu vois, on est pas du tout là où on avait dit, mais on est au plus qu'au milieu là. C'est pas grave. Là, c'est pas, déjà, c'est pas droit. Enfin, vis-à-vis de là, faut que quelqu'un se mette loin. Vous pouvez pas nous aider? C'est clair. C'est droit. Ah, c'est bien. On est bon. Ah, on dirait des profs. Oui, des profs. Mais sauf que ça va bouger si je mets un clou. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais contre tes murs là? Mais le deuxième, il va être plus bas. Ah, y'a personne qui le sait. Enfin, si, tout est calculé à l'avance. C'est bien parce que c'est Océane qui travaille et moi je la regarde. Et on fait un travail d'équipe. Ah bah, allez vite en fin de compte. Bah, oh merde. Faire pas des clous, c'est quand même con que je m'empale. Attends, donne-moi ça. Faut mettre un peu plus de force à faire pour tes doigts. Voilà, ça va. Magnifique. C'est pas droit du tout, mais c'est pas grave. Si, mais regarde. Regarde, recule. Je crois pas que ça soit très droit, moi. C'est ce qu'on va faire, regarde. Tu prends le mètre ici. Regarde, là ça fait 4. Et là ça fait... Et moi. Ça fait 3,5. 1,2. Qu'est-ce que ça choque? Non, personne. Personne ne le voit. Ça vous choque, vous? Non. Évidemment, je précise que toutes les références des tableaux seront dans la barre d'infos en fonction de où ils sont. Je sais pas comment je vais vous faire ça, mais on va faire ça. On va faire un truc sympa. On continue. On avait dit quoi du coup pour le reste? Il va y avoir trop de trucs. Ça. Là, il est là. Il est masse tant que ça. Montre-le. Là. Non. Non. Voilà. Un peu plus la vraie gauche. Il est bien, attends. Je vois pas. De toute façon, c'est on teste, de toute façon, on teste et ça va rester comme ça. Le mètre. La galère. Celui-là, on a dit qu'on faisait à peu près 3 cm. Hein, du coup. Ah là, on prend des mesures. Non, on prend le mètre. Valérie D'Amido. Oh. Alors celui-là, franchement, perfect normalement. Et pipe, non? On a tout fait, on a fait les mesures. Bah, en vrai, faut qu'on continue comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Il était le blanc vers le haut. Pas de blanc. Pas le même? Ah non, c'est pas le même. Comment dire? Je voulais pas. Ah putain! C'est une galère, hein, les gars. Et le milieu. Oh! Tiens bien. J'ai trouvé une employée. Voilà, j'ai trouvé une employée, parfait. Si vous voulez faire des rénovations chez vous, appelez Océane. Oh, ouais, t'as vu comment ils sont bien? Je m'améliore. Hein. Et on n'est pas. Ah si, là on est bien. Ouais, on est beaucoup mieux. C'est joli, hein? Au début. Ça va en fin de compte? Je rajoute ça. Mais pas trop en fin de compte. Ah, je trouve que c'est déjà pas mal. De toute façon, on met d'abord celui-là. Ouais. Sinon, au-dessus. Moi, je pense plus au-dessus parce que tu vois, là, t'es pas trop descendu. Je trouve que ça fait très ligne, quoi. Ça fait un peu asymétrique, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va choisir? Ben, moi, j'aime bien comme ça. Ok. Ah, on monte un petit chouille. Putain, le milieu. Attends, on voit qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Là, celui-là, l'autre autant. 42. 22. C'est un putain, mais Océane. Petit trou à peu près ici. Ah, c'est une partie du mur qui... J'ai pris de l'aisance, hein. Je crois qu'on est bon. Putain, mais les gars, on est ultra... Attends, pour des débutantes comme nous, sachez que c'est quand même un exploit. Enlève-toi. Non, mais pas trop, genre, mais devant... devant. Non, là, je suis bien, regarde, dégage. Ouais. En vrai, ça rend pas mal, mais je trouve qu'il faut rajouter des trucs. Ça manque un peu de couleur, en fait. Ouais, non, mais pas seul, hein. Si je mets ça là, mais je vais pas le mettre là-haut, ça va faire tout. Non, pas là-haut, pas là-haut, ouais. Là, je crois, là, c'est le dernier. C'est bien. Non, regarde, on est quand même resté assez représentatif de ce que j'avais fait en fait sur mon téléphone. Ah, il y avait le beauty. Ça va faire trop, tu penses? Non, c'est joli. Moi, je trouve ça très joli. Tu aimes? Ouais, c'est vrai que ça égaye un petit peu. Je pense que celui-là, ça met de la luminosité sur le côté droit. Pour le coup,
Je pense qu'on pourrait se lancer avec Claire, on va avoir quelque chose de sympa. On va faire déco. Si vous voulez qu'on fasse vos habillements d'intérieur, n'hésitez pas, on vient. Alors ? En fait, là, je suis trop basse. J'ai un petit peu peur de monter. Attends, vas-y, je t'assure. Bon, voilà, là, il est bien enclenché. Il était juste pas très bien enclenché. Mais bon, personne n'est mort. Et de la Swan, le dernier. Oh putain, il est droit. Eh ben, je vous ai dit. Ah, celui-là, je crois que c'est le mieux réussi. Je suis moins fan de la partie gauche. C'est joli. Il y a trop d'écriture de ce côté-là, quoi. Et tu vois, je peux pas enlever celui-là, parce que si on enlève celui-là, il y aura plus trop du tout et ça va faire super triste. Je pense qu'on a plutôt réussi notre mission. Bon, du coup, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je vais vous faire des petits plans. Et si vous voulez, je vous fais des petits plans de mon appartement. Peut-être une vidéo où je vous montre vraiment tout ce qu'il y a dans les placards et tout. Ça arrivera prochainement. Juste vous montrer la pièce principale, qui est d'ailleurs quasiment la seule pièce de la maison. Pour se cacher. Mais à part ça, j'ai juste une cuisine et une salle de bain que je vous montrerai peut-être plus tard. Je vais vous faire un petit focus sur le mur et je vais vous montrer un peu la décoration que j'ai dans le reste de l'appartement. Donc, let's go, c'est parti.